Je m'appelle Antonio Vivaldi. J'ai 60 ans, dit-on. Mais que signifie ce chiffre? J'ai des centaines de concertos, d'opéras, de prières, d'amour et combien encore qui piaffent dans ma tête et dans mon cœur. Ces messieurs du Conseil de la Pietà, où j'ai la chance d'enseigner la musique à des anges, voudraient me restreindre, m'enfermer. Et dehors, on dit que ma musique est vieille, hein, qu'il faut laisser la place aux Napolitains, les Napolitains. Ma musique transforme la lumière de Venise, la plus inouïe des cités, cette arche aux rames des archers. Elle transforme aussi les âmes et les cœurs des filles de la Pietà, et peut-être même transforme-t-elle Dieu lui-même. Un jour viendra peut-être où l'on offrira mon corps à la lagune, en gage de noces éternelles entre la musique et ma cité. Mais en attendant ce jour, moi, Antonio Vivaldi, je vis.